Eh bien, salut tout le monde, c'est X-Shooters, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA 5 Online pour un nouvel épisode des tenues secrètes. Dans cet épisode, je vais tout simplement vous montrer la tenue de Rick Grimes qu'il a dans la saison 5 de la série The Walking Dead. Donc alors, pour commencer cette tenue dans un magasin, vous allez vous rendre dans les pantalons, dans les jeans, pour tout simplement aller acheter le jeans noir. Une fois qu'il est acheté, vous quittez les pantalons pour aller vous rendre dans les hauts, dans les vestes de survêtement et pour tout simplement aller acheter la veste noire. Une fois qu'elle est achetée, vous quittez les vestes de survêtement et vous descendez un petit peu dans les chemises de bureau. Et ensuite, vous achetez la chemise gris clair. Ensuite, vous allez vous rendre dans les chaussures chic pour tout simplement aller acheter les mocassins Cobra. Une fois qu'elles sont achetées, vous quittez complètement et vous allez vous rendre dans les accessoires, dans les cravates pour tout simplement aller acheter la cravate droite anthracite. Donc maintenant vous allez vous rendre chez le coiffeur dans les coiffures et vous allez tout simplement acheter les cheveux gominés bruns ou noirs comme vous voulez. Les deux lui vont très bien. Donc ensuite vous allez vous rendre dans les barbes et vous allez tout simplement soit acheter la barbe mal rasée ou alors la barbe naissante comme vous voulez. Moi personnellement je garde la barbe mal rasée. Et donc une fois que vous aurez fait tout ça, la tenue sera terminée. Moi j'espère en tout cas vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à laisser un maximum de likes, de commentaires positifs et de partages. Ça me ferait vraiment super plaisir. Donc si vous pourriez laisser au minimum 40 likes pour cette vidéo, ce serait vraiment super cool. Donc moi je vous invite comme d'habitude à venir me suivre sur Twitter, à rejoindre mon crew sur GTA 5 ou alors même m'ajouter sur Skype si vous avez des questions. Tout vous attend dans la description de la vidéo. Donc voilà, moi je vous dis à tous à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était X-Shooters, ciao tout le monde.